Dans le cadre de l'initiative Mobilize Your City, la ville de Boaké dispose d'un plan de mobilité urbaine durable. Un plan qui vise au développement et à la mise en œuvre de mesures en faveur du transport et de la mobilité durable dans la capitale du centre. Mais avant ces étapes, ce plan a fait objet d'un diagnostic présenté aux acteurs concernés par le transport et la mobilité urbaine. C'était à l'occasion de la journée du transport et de la mobilité qui s'est tenue dans les locaux de la préfecture de région. À Boaké, le plan de mobilité urbaine durable est en marche. Un plan pour anticiper et planifier la mise en œuvre de solutions durables en matière de mobilité. Objectif : rechercher, rendre plus viable, inclusive et efficace les modes de transport au sein de la capitale du centre. Cependant, ce plan se heurte à quelques dysfonctionnements pouvant freiner sa bonne application. Donc ce plan est financé par l'Union européenne, il a l'appui aussi de l'Agence française de développement, mais il est surtout à l'initiative de la mairie et des acteurs locaux qui sont bien conscients que les transports à Boaké doivent être améliorés et que les problèmes vont être de plus en plus importants parce que les gens se déplacent de plus en plus, la ville grandit, voilà. Pour mieux faire face aux enjeux futurs, la bonne exécution de ce plan requiert le concours de tous les acteurs concernés en matière de mobilité. D'où l'organisation d'une journée de transport et de la mobilité en vue de mieux adresser les insuffisances de ce schéma directeur et trouver des solutions adaptées aux besoins des habitants de Boaké en matière de transport. En tant qu'acteur majeur de la mise en œuvre de ce plan, le gestionnaire de la ville espère de meilleures propositions en dépit de difficultés au sein de la municipalité. Mais aujourd'hui, avec l'extension que prend la ville de Boaké, cela devient une urgence. Et cette urgence doit être, le défi de cette urgence doit être relevé par la mairie de Boaké. Et c'est pour cela que grâce à l'Union européenne, grâce à l'AFD, nous avons pu organiser cet atelier pour nous pencher sur toutes les questions. Le plan de mobilité urbaine durable de Boaké entre dans l'initiative Mobilize Your City. Il bénéficie de l'appui financier et technique de la Commission européenne et de l'Agence française de développement. L'AFD est très fière d'accompagner ce plan de mobilité durable, de urbaine durable de Boaké, via une facilité de l'Union européenne qui s'appelle Mobilize Your City et qui a permis de financer à la fois l'étude qui a été présentée par le consultant Dégis et financer cette journée de la mobilité qui est une étape très importante dans l'élaboration de la ville de Boaké de demain. À travers cette journée, il s'agit pour les acteurs de se préparer aux défis de la mobilité urbaine dans la deuxième grande ville de Côte d'Ivoire, confrontée à une croissance urbaine forte et faisant face à une faiblesse des transports en commun.